Dans la vie, comme dans les arts martiaux mixtes, il n'y a pas de réussite sans souffrance. Les combattants qui aspirent au sommet doivent sans cesse s'entraîner et s'améliorer. Pendant la fin de l'été, du 27 août au 6 septembre, nous avons eu la chance d'être invités au camp d'entraînement du Bulgarian Top Team à Sofia en Bulgarie. Voici le premier épisode de nos 10 jours passés à Sofia. Nous venons à peine d'arriver en Bulgarie que nous nous sommes déjà rassemblés à l'hôtel en attendant que les autres membres du groupe nous rejoignent. Après avoir déposé les affaires à l'hôtel, nous décidons d'aller manger avec les premiers combattants et le manager. Je suis là avec vous. En fait, je vais juste vous quitter dans la nuit du vendredi à samedi. Cette semaine, je pars en Russie. Je pars après, juste à la fin du stage, le 6 à Abu Dhabi avec Farès. Bien sûr. Pour le PTT. Ouais. Ça se passe très Sofia. Ouais. Et par exemple, la course, ce que tu vas te expliquer, parce que souvent je vois des stories. Tout se passe Sofia. Non, cette piste-là, en fait, moi j'ai mis qu'à 2h30 en fait. Ouais. Pour plein de raisons, j'aurais bien voulu vous ramener chez moi, pour plein de trucs en fait. Comme latin. Vous chez moi, là où je m'entraîne, tout ça. J'aurais bien voulu vous montrer plein de trucs, mais j'habite à 2h30. Ouais, c'est trop cher. Ouais, ça ressemble à rien de vous promener comme ça, droite à gauche, tu vois. Franchement, ça m'aurait fait plaisir de vous montrer comment. Il y a quand même des choses chez moi. Moi déjà, j'ai une salle. Ouais, c'est à dire. C'est pas monstrueux, mais il y a des trucs pour s'entraîner, tu vois. Le problème, c'est la distance, tu vois. Mais c'est un truc que je fais moi, décidément. Parce que souvent, j'accompagne quelqu'un, tu vois, pour le week-end. Nous nous sentons déjà à l'aise avec le groupe, nous commençons à faire connaissance. Il est d'ailleurs temps de vous présenter Guillaume Pelletier. Il y a 6 ans, il décide de créer le BTT, afin de manager et de faire signer des combattants. Aujourd'hui, c'est l'un des managers les plus influents. Il compte dans sa team des stars comme Tony Johnson, Ilyes Jiroun, Fares Yam, Morgan Charrière ou encore Amin Ayoub. Le Lonsdale Boxing est un gym assez connu à Sofia et nous nous rendons compte que la salle est très bien équipée. Guillaume Pelletier décide de commencer un premier entraînement léger, histoire de s'échauffer un peu. On commence direct par décrassage en fait. Léger strength MMA, mais juste pour tourner, ok. Rien de... Okay. On force pas, c'est vraiment tranquille, ok. Ouais, et surtout toi, fais attention, ok. Regarde, ne précipite pas. Ça, c'est des phases où tu domines, c'est des séquences où tu domines. Donc ne précipite pas. Voilà. Allez, ça garde, je domine pour l'instant. Ah, ça me plaît, ça, c'est pas grave. Ça. Et il sort plus, hein. Il sort plus, carrément. C'est le même travail, ne précipite pas pour sortir ta jambe. Pareil, concentre-toi sur ton contrôle. Allez, s'il t'emmerde, pousse ta tête. Sa jambe d'appui. Ouais. Exactement, va chercher les points. Voilà, allonge-toi dessus. Voilà, allez. Karim, il reste une minute, tu restes comme ça, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Ça va ou quoi ? Karim, ça va ? Bien. Moi, ça me fait. Précipite-toi. Toutes les phases où tu es en contrôle, elles sont pour toi. Même si ça doit rester 5 minutes comme ça, c'est chiant, mais en fait, t'es pas là pour être. Pour donner du plaisir aux gens. T'es un manager, mais on dirait que t'es un coach. Ouais, bah. C'est quoi la différence en fait ? À la
la base, en fait, normalement, je devrais faire que ça. Ouais. Manager, tu vois. Ouais. Mais bah, tu sais, à force de t'intéresser au MMA, à force de voir des combats, à force de, bah, de calculer ce qu'il faut envoyer ton gars ou pas, en fait, bah, finalement, tu développes des qualités de stratège. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et tu arrives à comprendre, bah, tiens, lui, il a ce style-là, ça serait bien de le croiser avec ce mec-là. Tu vois, et après, tu arrives à comprendre, bah, du coup, il faudrait qu'il fasse ça ou pas ça. Pendant le camp d'entraînement, nous avons eu la chance pendant une journée d'avoir avec nous la présence de Tony Johnson. Tony Johnson est l'un des meilleurs heavyweights de la planète. Il s'est confronté à de grands noms comme Alexander Volkov, Derrick Lewis ou encore Daniel Cormier. Il est courtisé par les meilleures organisations au monde. L'équipe MMA Fightness a eu la chance de passer deux jours avec lui et assister aux derniers détails de la préparation. Allez, fais le chier avec ta main gauche, va pousser son visage. Fais le chier pour libérer de l'espace. Libère de l'espace. Pose le coude sur le visage si ça t'emmerde. Libère de l'espace. Je ne peux pas rester là. Allez, main droite, ça va pousser le genou droit. Vers 19h, Tony Johnson a dû partir pour prendre son vol direction la Russie, où il affrontait Evgeny Gonacharov pour un combat pour le titre heavyweight de l'ACA. L'entraînement s'est terminé en début de soirée. Nous avons pu nous rendre compte à quel point l'équipe est professionnelle. La semaine prochaine, nous vous présenterons l'épisode 2 de la série Bulgarian Top Team. Merci à tous les gens qui nous soutiennent. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner et à partager nos vidéos.